Des astuces de culture qu'aucune grand-mère ne ferait jamais. Tremper les racines des roses dans du miel, plantez-les dans une pomme de terre fraîche puis enterrez-les dans le sol, coupez les fleurs avec des ciseaux, les roses prennent racine et poussent, dans quelques mois tu as tout un bouquet. Les plantes en pot à la maison se fanent, récupérez les cheveux du peigne, enterrez-les dans la terre du pot, la plante verte retrouvera son aspect originel en quelques jours. De petits insectes ont poussé sur la plante, taillez des copeaux de crayon, mettez-les dans le pot, vous pourrez vous débarrasser complètement des insectes. Creusez des petits trous dans la boîte à œufs, mettez-y des petits oignons, versez de l'eau dans le fond, en une semaine les oignons deviendront plus grands, coupez-les quand vous voulez les manger, attention à la laine. Les feuilles de la plante en pot jaunissent et se flétrissent, mettez les clous rouillés dans la bouteille d'eau, mettez le couvercle et secouez uniformément, faites des trous dans le couvercle de la bouteille, versez-la dans la terre, faites revivre votre plante en pot. Mettez les haricots verts dans une bouteille en verre, versez de l'eau, fermez-la avec de la gaze. 2 jours plus tard les haricots mungo germeront et vous pourrez manger vos propres haricots. Même ta mamie ne connaît pas ces astuces, alors abonne-toi.